Ouais, non, clairement pas. Hein. Quand tu captes en overtime le premier point, ça ne peut pas être bon, mais ça pourrait débloquer la situation. Là, ce triple kill avec l'ultimate de Dalton, ça permet quadruple kill même de Dalton. Peut-être un cinquième, et c'est fait. Solide. Il y a un point sur ce corner qui est quand même bien géré par les Gladiators depuis le début. Oh, oh. Et là, je te dis peut-être. Et là, je te dis peut-être pour un KD à Sneaky Picky de la hauteur. Un touchdown comme on aime bien les faire. Et justement, il va assister. Il va réussir à coucher trois personnes. On va pouvoir prendre un kill sur rappel directement à la charge. Derrière, qui va prendre le kill sur Meko. Très, très bien vu. Et là, je te dis le cerveau. Hein, qui dépasse actuellement 9 minutes de QI. Ça va pas passer, franchement. Si ça passe, c'est qu'il y a des grosses erreurs du côté de Spark. Parce que là, on a vraiment Dragon toutes les positions. Non, là, on veut le gagner. Attends, on veut le gagner. Ça joue à la. Ils ont pris le pic sur Kyoko. D'accord. Donc écoute, pourquoi pas, Charak, pourquoi pas, hein. Multiplicatrice. Marquitect a réussi à isoler Chou. Ah lui par contre, qui va se retourner sur trois joueurs de Spark qui étaient en flanque. Happy en 1v3 qui fait la différence. Et que Vulk que fait pas Spark très longtemps avec ce bulldozer. Spark effectivement, ils avaient juste à tenir le point. Pourquoi ils vont chercher Happy tout seul? Finalement c'est Glister sur la fatale de Bacon Jack. Ouh, Liv qui a les one clip très clairement Babel là. L'ultimate de Sigma qui va être lancé, Krillin qui va avoir sa transe à une seconde près, il faut absolument qu'il l'utilise. Et il n'a pas eu le temps de la récupérer, voilà, si c'est fait, mais c'est trop tard mon cher Adi, Krillin qui l'aura eu une seconde trop tard. À moins que Bernard, après la transe forcée de Molly, va peut-être essayer de récupérer un kill Glister. À disparaître, mais regardez-le, hein. Rappel imperturbable, hein. Il a réussi quand même à porter du heal. Et pendant que je parle, c'est Chast qui fait un carnage. Et pendant que je parle encore, Chast fait démolir. Ah, c'est incroyable, le caster, la malédiction du caster qui est en place, Dante qui est en train de laver à lui tout seul l'entièreté de Los Angeles Gladiators. Il a un V6 Dante, le monstre, et c'est pas sur son bras, c'est sur sa tresseur.